Romain Grosjean revient de loin. Le dimanche 29 novembre 2020, le pilote de Formule 1 a vu sa vie défiler devant ses yeux. Après quelques minutes de course lors du Grand Prix de Bahreïn, la voiture du jeune homme de 34 ans fait une sortie de piste à plus de 220 km. Tandis que l'automobile prend feu, Romain Grosjean arrive à s'y extraire in extremis. Faisant vivre à son épouse Marion Gelet et leurs enfants, les secondes les plus longues de leur vie. Déjà traumatisé par la disparition de Jules Bianchi. Hospitalisé en urgence, le sportif est un miraculé, le pilote est victime de brûlures au deuxième et troisième degré aux mains et aux chevilles. Aujourd'hui et après plusieurs interventions chirurgicales, Romain Grosjean a retrouvé l'usage de ses membres et s'est lancé dans une nouvelle aventure. Romain Grosjean est désormais pilote de la compétition automobile américaine IndyCar Series. Le conducteur de monoplace y retrouve toutes ses sensations. Ce samedi 14 août 2021. Romain Grosjean a tout donné sur le tracé routier d'Indianapolis avant de se hisser à la seconde place du classement final. Il s'agit du deuxième podium de Romain Grosjean en IndyCar après une autre jolie course également à Indianapolis, en mai dernier. Cette seconde place prend des allures de victoire pour le Français et pour son épouse. La jolie journaliste a laissé exploser sa joie en story sur Instagram, à l'issue de la course. Sur un cliché qu'elle diffuse, on y voit son cher étendre une bouteille de champagne à la main. Tout sourire. Dead feeling, traduction, ce sentiment, écrit-elle fièrement. La saison sportive démarre fort pour la famille Grosjean.